Bonjour YouTube, on est parti pour le 4e épisode de RL Craft. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus le caillou dans la gueule. Non, je l'ai perdu. Mais quelqu'un sur le chat m'a dit tout à l'heure que potentiellement vous pouvez le retrouver si on trouve un mob qui le porte. Oh, on va partir à la chasse. Entre les épisodes, j'ai fait un peu de farming, j'ai fait un peu de rangement dans la maison, j'ai mis tout dans des coffres. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux maintenant. Aujourd'hui, nos objectifs, je pense que ça va être de réussir au moins à se faire une armure, ça pourrait être pas mal. Et aussi, ce qui serait bien, ça serait de trouver une source de bouffe. Pour ça, je pense que la pêche serait une bonne solution. Alors, déjà, les rangements. J'ai mis 3 barrels, où les choses sont à peu près rangées. Là, c'est les drops des mobs. Ça, c'est la nature. Ça, c'est tout ce qui vient des arbres. Ici, c'est l'équipement. Et ici, c'est tout ce qui est minéral. Prenons notre livre de quête. Livre de quête, quest. Alors, Homo habilis, par quoi est-ce qu'on pourrait avancer? On pourrait se faire... Ah, une scie. C'est vrai, j'ai envie d'essayer la scie. Vu que c'est du fer, avec du fer, on en a un petit stock. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Ce bruitage était particulièrement adapté. Alors... Ah, il faut... Je peux pas utiliser l'item, il faut 8 en... Et c'est ça, c'est en gathering. Donc il faut 8 niveaux. Je suis niveau 5, il me faut 3 niveaux de plus. Donc il va me falloir la masse d'XP. Enfin, il va falloir que je trouve une manière de récolter de l'XP, parce que ça serait vachement, vachement pratique, vu les problèmes que j'ai. Sinon, entre les épisodes aussi, j'ai refait les armes que j'avais. Je me suis fait 15 lances Gatling Gun. Je me suis fait une grosse hallebarde. J'ai un peu repris, voilà, tout ce que j'avais perdu entre les épisodes, tout est refait. Alors, le livre de quête, voyons voir quel sera notre chapeau. Ah purée, le chapeau, j'ai oublié de regarder. Donc voyons voir pourquoi les gens ont voté. Le mouton vert, il y a eu un seul vote, c'était pour le mouton vert. Donc aujourd'hui on va se balader avec le mouton vert. Ah, chouette. Du coup, hop, on vient de finir une quête, la quête de la scie. Et il n'y avait pas de chapeau. Too bad. J'ai vu que dans les quêtes, il y avait de quoi faire de la pêche. Fisher, fish, fish. Il me faut... Waouh, c'est quoi ça? Il faut une bobine, il faut de la corde, il faut un hameçon. Oh là 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 là. Mais c'est quoi encore tout ce bordel? Basic bobber. 2 de laine blanche et 1 laine rouge. Je peux réussir à tendre de la laine, moi? Est-ce que je peux faire de la laine, moi? Basic reel. Ça, c'est 4 de fer, je peux faire. Les plantes string, j'en ai la masse. Un stick, on a la masse. Ça, c'est que des iron nuggets, on peut faire. Alors, on va utiliser un petit couteau. Un peu petit couteau. Ça, c'est run knife. Je peux utiliser. Ok, est-ce que je peux utiliser là-dessus? Non, il faut encore le niveau 8 en gathering, c'est vrai. Mais purée, un gathering niveau 8, ça va être important de le faire, hein. Alors, on fait attention parce que peut y avoir des maxi monstres qui sortent de là. On va récupérer toutes ces fibres. Et dis donc, ça n'a pas fait beaucoup, hein. Le couteau, il a pas très efficace. J'espère que je vais pouvoir récolter pas mal d'XP pendant cet épisode pour monter niveau 8 en gathering. Sinon, je ferai ça entre les épisodes. Donc, plantes fibres, on met ensemble, boum, ça fait des plantes string. Et si on les met ensemble, boum, ça fait des laines. 3 laines, bam là. Comment je peux faire une laine rouge? Il faudrait soit des wildberries. Des wildberries, je crois que j'en ai croisé. Wildberries, je crois qu'on a ça. Wildberries, ouais, on a. Nickel. Ah, le boss. Ah, le boss. On a tout ce qu'il faut pour faire les trucs de pêche. Basic bobber. Boum, 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 boum. Donc ça, c'est quoi? C'est le flotteur, ça? On a le basic bobber. Wouhou! Le basic reel. 4 de fer, un stick et 4 de string. J'ai que 2 de string. Merde! Alors, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais quand j'ai farmé un peu entre les épisodes, je me suis rendu compte que je commençais à être un peu solide. Que mes skills en combat étaient un peu revenus, etc. Il n'est pas impossible que je me fasse pas rouler dessus aujourd'hui. Pas impossible ne veut pas dire certain, soyons clairs. Donc nous disions donc 4 de string, 1 de bâton, 4 de bois et de fer, et c'est pas comme ça. À tous les coups ça doit être comme ça, hop. Et on a la reel, la bobine. Et maintenant il nous faut... c'est quoi? C'était l'hameçon. Hop, l'hameçon, il était là. J'y étais pas du tout. Donc on a tous les éléments. Unlock chapter gun fishing. Ah! Nous avons le chapitre de la pêche, nice! Une canne à pêche modulaire? Impossible!
Ne pas trop forcer sur la voix. Ah ! Pour ça, il nous faut une canne à pêche normale ou alors 3 sticks. Nous allons utiliser la recette avec 3 sticks. Hop là, boum, les 3 sticks. Et nous avons une canne à pêche ! Wouhou ! Fishing meant smarter. Yes, let's go ! Ok, bon, on va commencer à pêcher normalement, puis on va voir. Alors. It's a trap. C'est un dragon ! C'est un dragon ! Il y avait un dragon ! Yo ! Daenerys, tout calme ! Tu me connais pas, moi ! Moi, j'ai des lances, moi ! Aïe, 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 aïe ! Ouï, ouï, ouï ! Ouï, ouï, ouï ! Tout calme ! Couché ! Je te fais zéro dégâts ! C'est la merde, un peu, non ? Parce que je lui ai pas fait beaucoup de dégâts, soyons clairs. Salut ! Ok, on prend l'hallebarde et on se bat ! Couché ! Allez, dis dégâts, qu'est-ce que tu vas faire ? Aïe, 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 aïe. Alors oui, entre les épisodes aussi, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait des bandages. Genre des pansements. Et c'est pas si hardcore que ça à faire. Ah, deux fils et de la laine. C'est faisable. Il y a d'huile. Hop, imaginons que je fais une laine comme ça. Paf, deux fils devant. Boum là. Et on a du heal. Ah, et tu peux choisir où est-ce que tu le places. Oh, mais c'est long. Et ça heal pas. Si, d'accord, ça met des petits heals de temps en temps. Ok, on va mettre le buff de heal sur la tête aussi. On va s'en sortir. T'es où? T'es où le dragon? T'as fui? T'as fui? T'es retourné chez ta mère? Haha, chez. Oh, c'est dommage, on voit pas les bandages sur moi. Ça aurait été cool. Bon, nous étions partis pêcher, retournons-y. Tu. Alors... Ok, j'ai vu un effet sur l'eau. Ouais, il y a des petites bulles. Ok, on peut pêcher des trucs. C'est long. On se fait chier. Ah, 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 ah. Oh, il y avait une interface bizarre, là. Il y avait une interface bizarre. Oh là là, c'est quoi, cette histoire? Oh non, ils ont changé la pêche. Il y a une interface et tout. Qu'est-ce que c'est? Bien. Nous sommes à l'affût. Nous regardons le lac. Et Blue Blue, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je reste appuyé sur clic droit? Non. Attendez, pause. Si je vais dans les contrôles, je tape catégorie et je tape fish. Tension line left, right. Ok. C'est apparemment au clavier que ça se joue, cette histoire. Ah. Ouais, c'est ça, d'accord. Faut laisser le poisson dans le verre. Faut laisser le poisson dans le verre. Ok, 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 ok. Reviens la petite poiscaille. Reviens la petite poiscaille. Ça vient, ça vient. Il approche. Je l'ai eu! Je l'ai eu! J'ai eu deux poissons! J'ai eu un nid cruciant! Il est vivant! Et il est mort! J'ai vu des petites gouttes. Il est prêt à venir. Il est prêt à mordre l'hameçon. Et il arrive! Et il arrive! Viens par là, viens par là, viens par là! Viens voir papa, viens voir papa! Tu vas pas t'en sortir? Oui, je l'ai eu! Qu'est-ce que c'était? Une tortue! J'ai une tortue! Ouais! Une petite tortue! Turtle! Wouhou! Bien! Nous avons eu 1, 2, 3, 4, 4 poissons et une tortue! 4 poissons et une tortue! Nickel! Alors déjà, regardons les quêtes. Qu'est-ce qu'on a débloqué dans les quêtes? Becoming a Spartan. Ah, mais c'est vrai qu'on a fait tous ces trucs! Oh! Des oreilles de chat, ça, là, ça discute, là. Mais nouveau chapeau d'aujourd'hui, on a trouvé des petites oreilles de chat. Oh, Neko. Alors, la tortue, qu'est-ce qu'on en fait de la tortue? Si je l'ai cuit sur le feu, je peux avoir de la soupe de tortue. Nice. Les bluegills. Les bluegills, faut que je les passe au couteau. Et pour me faire... des sashimi. Alors, je vais allumer le feu. D'ailleurs, le feu, l'épisode dernier, je m'étais posé la question de est-ce qu'on peut réalimenter le feu? On peut le faire, il faut utiliser des bûches. C'était si évident. Alors, la tortue sur le feu. Ok, maintenant, j'ai l'impression qu'il va me falloir un outil, une sorte de couteau. C'est un couteau pour faire des filets. Donc, c'est un flint, deux bouts de bois. Voilà, nous avons le couteau pour faire des filets de poisson. Donc, paf, si je mets ça là, boum là. Ça a cuit tout ce qui est là. Petite soupe de tortue.
petit poisson silex. Bam, 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 bam. On a mis les trois trucs à cuire, nickel. Ah oui, j'avais aperçu là que là-bas il y avait l'air d'avoir des ruines et tout. Voyons voir. Alors je sais pas c'est des ruines de quoi, mais ils ont oublié de foutre une porte. Oh, petit four vide, petite table de craft, bah on s'en fout. Et bah c'est tout pourri. On ne crache jamais sur du fer. Jamais. Bon, là-bas, ça a l'air d'être l'apocalypse du cul. On va clairement pas y passer trois plombes et wow, on va pas marcher dans l'eau. Na. Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben y a rien. Oh, y a une église là-bas. Oh là là. Oh là là. Fuyons. Aïe 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 aïe. Non. Retour à la maison. Il me suit encore ou pas? Qu'est-ce qui arrive? J'ai soif. Alors pour la soif, je crois qu'on m'avait dit que tu vas dans l'eau et tu fais clic droit. Non, merde, c'était quoi déjà? Sneak clic droit, merci. Bien. Regardons dans notre livre de quêtes si on a débloqué des nouveaux chapeaux. J'ai vu qui disait qu'on avait fini des quêtes. Il y a juste ça et ça, mais du coup il n'y avait pas de chapeau. Oh, je suis dégoûté. Oh, la tristitude. Ah, d'accord, on peut augmenter les rendements de la pêche. Avec ça, il nous faut un heavy bobber. Pour ça, c'est beaucoup de fer. On peut l'utiliser. Donc, on peut améliorer notre canne à pêche avec un flotteur, un gros flotteur. Et un fatty hook. Et pour ça, il nous faut 3 steaks. Ah ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'on va pêcher avec des steaks sur le hameçon. Mais je veux bien. Je veux bien. Bon, on va retourner un peu en balade. On va essayer de trouver des vaches pour voir. Trouver des mobs. Ah, et une armure. Attendez, réfléchissons à... Est-ce qu'on peut faire une armure? Comment est-ce qu'on peut la faire ou quoi? Regardons dans le livre de quête. Potentiellement, il y a des trucs par rapport à de l'armure. C'est shield. Ouh, des boucliers. Ah, puis il nous faut 6 de bois. Allons-y. C'est celui-là. Boum là. J'ai un bouclier. Let's go. Ah mais non, mais j'ai une arme à deux mains. J'ai une arme à deux mains, je peux pas utiliser de bouclier. Mais quelle naze. Bon bah au moins j'aurais fait la quête hein. Et au niveau des armures, y'a rien hein. Armor du coup, est-ce qu'il y a des armures de disponibles? Ok, les armures en cuir, donc ça il va nous falloir beaucoup plus. Ok, donc armure, clairement, y'aura pas mieux. Je suis un peu à déception, on va pas se mentir. J'aime refaire des lances. Et après on va partir un peu à découverte, essayer de trouver quelques trucs. Genre des vaches. Pour faire des gros hameçons, ça serait pas mal. Nous sommes actuellement à la chasse. Vous savez quoi? Nous allons utiliser la technique ancestrale de la bite en terre. Voilà, la bite en terre est placée. Nous allons pouvoir retrouver où est-ce qu'on était. Partons par là-bas. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh, poulet. Piou, piou, piou. Waka. J'ai entendu un cote-cote, hein. Ha. Ouh, des petites baies. C'est marrant, il a l'air un petit peu plus hospitalier. J'ai rien dit. Il y a un hippogriffe. Coucou. T'es gentil ou t'es méchant? C'est une connerie si je te balance un pieu à la gueule ou pas? Mais attends, c'est un village? C'est un village! Let's go! Trop bien! J'arrive pas à définir. Wouah! Bienvenue à Jurassic Park! C'est herbivore ou pas? Harryrosaure. Bonjour. Sus ton dino. Let's go. T'es l'aventurier téméraire quoi, qui attaque le dino à la hallebarde. Non, meurtre. Tu t'en sortiras pas. Homme de Cro-Magnon. Yes. Le maca. Je veux buter du dino. Viens là le maca. Ça donne du cuir le maca, nice, on a besoin de cuir. Ça serait bien de trouver des vaches parce qu'avec les steaks de vaches, je vais pouvoir faire un gros hameçon. Mouah, gros dino. Moi un psychopathe? Non, pas du tout, tu vois très bien. C'est des bananes que tu donnes? Raw Harrisor Meat. Va falloir retravailler le skin de la viande. Hein. Ça ressemble plus à une banane qu'à autre chose. Voilà, j'ai gaspillé un stack de lance. Ah, la précision du lancer, hein. Bref, visitons ce village aussi.
Hop, tuons les cochons. Ah, eh oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de m'emporter dans les ténèbres obscures. Et en vrai, les chevaux, ça donne la masse de cuir, ça, non? Ah ouais, non, mais aucune pitié aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, RLCraft, hein. Bonjour! Un gâteau, c'est pour moi? Oh, merci! Oh non, je l'ai cassé! Mais je croyais qu'on pouvait le récupérer, moi! À faire tout noir! Oh non! Bon, allez, vas-y, on refait un point de spawn ici, vas-y. Il y a les coordonnées dans ce jeu ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Bonjour? Alors, toi, mon vieux? Allez, chez! Aïe, aïe, aïe! Heureusement que j'ai dormi ici! Permettez deux secondes, je récupère mes trucs. Merci. Ok, ça dégage. Couchez! Couchez, Babylone! Rends-moi mes trucs et arrête de tout cramer! Laisse ce village tranquille! Je défendrai ce village! Mais qu'est-ce que tu. Tu m'as pissé dessus? Tu m'as vraiment pissé dessus? Oh! Wendigo! Coucou! Aïe! Aïe, aïe! Ah! Les lances, oui, les lances! Wendigo? Oh, je l'ai presque eu! Il est presque mort! Donnez-moi une arme, donnez-moi une arme! Une hache! Ok. Avec l'hache, on va pouvoir en finir. Il est où le Wendigo? Tiens! Chai! Saleté! Ça va être le moment d'en finir! Ok, un au moins. Il y a un autre Wendigo! Mais niquez-vous! Mais niquez-vous aussi! Ok. Oh non, mais le petit lag là qui tue, c'est pas vrai! Oh la galère! Vous savez, c'est pire qu'un Wendigo? Deux Wendigo! Tiens, toi, dégage! Tiens, attrape! Alors, qu'est-ce que ça fait de se prendre ses propres boules de glace dans la gueule? Hein, qu'est-ce que ça fait? T'as combien de vie? Je t'ai enlevé un quart. Tiens! Couchez! Baisse les yeux, baisse les yeux! Qu'est-ce que tu vas faire? À la son, j'y retourne! Oh ouais, l'albarde! Oh ouais, l'albarde! Wouhou! On a gagné! Oh là 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 là, ce jeu, mais ce jeu, je vous jure! Mais il y en a encore un! Mais il y en a encore un! Mais c'est le village qui est pété du fion! C'est parce qu'il y a un lac de glace! Ça fait spawner Wendigo en boucle! Mais vous avez pété un câble! Qui s'est dit on va poser un village ici? Mais c'est complètement con! Bon, bah on va se casser, hein. Non, mais enfin, voilà, aussi, vous déconnez, les mecs. Enfin, voilà, vous avez vu ce que vous tapez chez vous, là? Bah oui, bah, je sais bien que, voilà, mais bon. Ok, moi, je venais de par où? Ok, je crois que je venais de là-bas. Non, là-bas, c'est de la neige. Que j'avais vu ça, j'avais fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je crois que je venais de là-bas. Ouais, c'est possible qu'on soit passé par là. Ouais, je monte sur un arbre, voir si on voit ma bite en terre. Oh, il va faire nuit. Oh, quelle galère. Je ne vois pas ma bite en terre. Je vois le village là-bas. Écoutez, je retourne dans le village et on va faire dodo. Alors, essayez de pas se casser la jambe. Je me suis cassé la jambe. Super. Oh là là, je sais plus par où je suis passé pour trouver la maison. Regarde, squat. Dis-moi qu'il y a un petit lit dans le coin. Il n'y a pas de lit. Je vous déteste. T'as pas intérêt de me buter. Non, non, l'enfoiré. Je suis mort où, moi? Oh, la galère. Oh, je me souviens de rien. Oh, il y a des wyvernes et tout. Oh là 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 là. Des Enderman, des squelettes de partout. Voilà. Mon stuff. Non. Vraiment! 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 Je crois que c'en est fini de moi. Hein. Bon, mes amis, ça va être la fin de cet épisode. RLCraft m'a encore cassé la gueule, mais nous sommes dans un village. Je pense qu'on n'avait pas accumulé beaucoup de richesses dans l'ancienne maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'établir dans ce village. On va s'écarter de cette maison parce que là, c'est un point de spawn de Wendigo, donc non, sans plus.
mais on va se mettre dans une des villes du village, on va un peu utiliser tout ce qu'ils ont, etc. pour profiter de leurs ressources et apprendre plein de choses. Pour le prochain épisode, il n'y aura pas de vote car il n'y a qu'un seul chapeau, c'est le chapeau oreille de chat. Plus 5 en persuasion, plus 5 en... Allez, moi je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine. Tchuss.